Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez vous en douter, à mon accoutrement, ça va être une vidéo cheveux. Sans plus tarder, commençons, allons directement dans le vif du sujet. Tu vois, là, on est sur un truc vraiment. Tu vois, la team bon plan, la team économie, la team. T'as capté? On est sur un truc pas mal. On est sur un dos intéressant. On a trouvé le pépite, vraiment. Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Un jour, comme ceci, je me baladais sur TikTok et ne voilà-t-il pas que je tombe sur une vidéo qui attira mon attention. Une meuf qui parlait donc de perruque. Et donc en fait, c'est une perruque qu'elle avait achetée à 15 euros. J'aurais dit qu'elle était grave bien et tout et tout. Bien sûr, qui dit perruque headband, parce que maintenant vous me connaissez, vous savez que si c'est pas headband, c'est même pas la peine. Et genre en fait, en gros, sa perruque, c'est une perruque headband qu'elle a payé 15 euros sur AliExpress, donc c'est une synthétique. Et là, la perruque, elle était trop bien, tu vois. Je me suis dit, attends, ça peut faire un bail. Si la perruque, elle est aussi bien que ce qu'elle dit, que ce qu'il y a sur l'image, ça peut être intéressant, tu vois, 15 euros... T'as capté, tu vois, t'as capté. Vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose vraiment pour abordable, vraiment à tout point, à tout point. Donc, ni une, ni deux, je vais sur AliExpress et je commande la perruque en question. Donc, je l'ai reçue il y a pas longtemps, il y a 2-3 jours. Bien sûr, comptez pas sur moi pour faire des vidéos où j'ouvre en direct. Je suis trop maquerelle. J'ai reçu donc le colis. Donc, c'est arrivé dans une pochette comme ça, donc tout simple, quoi. Et en fait, dans la pochette, il y avait donc différentes choses. Il y avait cette pochette là dans laquelle il y avait cette pochette dans laquelle il y avait la perruque. Il y avait donc un bonnet, un bonnet quoi. Donc c'est un bonnet de couleur chair mais clair, c'est pas pour les noirs. Et il y avait un bandeau donc en motif léopard vraiment basique, de chez basique. Rien de très fou. Allons dans le vif du sujet, parlons de la perruque. Donc, comme j'ai dit précédemment, c'est une perruque synthétique. Donc, de prime abord, elle n'est pas très brillante, mais t'as capté, on voit quand même que c'est pas du naturel. Elle est en mode body wave, donc elle n'est pas toute lisse. Et elle est quand même super longue. Il n'y a pas écrit la taille sur le dépliant, parce qu'il y a un petit dépliant aussi sur la, qui est dans la perruque. Et en gros, dans la longueur, là, ils ont écrit as picture dans la longueur. Est-ce que ça, c'est une longueur, as picture? Non, en fait, c'est pas une longueur. Pas si tu délires. Ou si tu fumes la drogue. Donc on sait pas trop c'est quoi, mais je crois que c'est peut-être une 26 pouces. Elle est super longue, genre plus longue que Esmeralda. Et je me suis dit, bah attends, on va la tester ensemble, on va voir ce que ça donne. Parce que franchement, si elle fait bien, mais c'est trop bénéf, wesh, une perruque à 15 balles. 15 euros. Donc on va installer ça sans trop tarder pour voir ce que ça donne. Donc bien sûr, en dessous de mon bonnet en satin, j'ai fait déjà des tresses et j'ai déjà donc attaché mes tresses derrière avec des épingles. J'ai laissé les cheveux devant parce que j'aime bien laisser les cheveux devant. Ok, je suis une forceuse. Comme ça, je pourrais bien faire mes baby hair. Donc, on va faire le baby hair ensemble et on va l'installer quoi sans plus tarder. Donc, bien sûr, pour le baby hair, ça change pas. Hein, Red One et Got To Be. Ok, donc j'ai déjà mon bonnet que je vais installer. Ok, là on est bon. Hop. On va passer à la perruque, franchement j'ai peur. Je sens que ça va faire bien parce que franchement, bon après c'est 15 euros donc en soi, même si c'est pété, bah c'est pas très grave, c'est pas une grande perte. Du coup, j'ai regardé sur Ali, ils disent qu'on peut la lisser mais que jusqu'à 160 degrés,
Donc vraiment, c'est très bas. Au niveau du démêlage, genre c'est dur. Tu vois, c'est pas comme des cheveux naturels, t'as capté. Tu sens que ça peut s'en mêler assez rapidement. C'est ce que j'ai l'impression là, tu vois, mes doigts glissent pas déjà. Donc vas-y, je sais pas, à voir sur le temps, dans la durée. Mais ça peut faire le taf. Donc elle est comme Esmir, elle est aussi dotée donc de peigne à l'intérieur pour bien caler la perruque. Par contre, Esmir, il y avait des bandes là réglables pour le bonnet par rapport à la taille de ton crâne. Et là, c'est pas réglable, c'est juste élastique. Mais je pense que ça fera l'affaire. Hein. J'ai trouvé un nom à celle de nouvelle heureuse élue. Alors là, je vais caler les peignes sur le bonnet. Comme ça. Ok. Et je tire le peigne de derrière que je vais caler pareil en dessous du bonnet. Donc là, ça y est, tout est calé. Hop, je viens venir tout simplement ajuster le bandeau. Voilà. Attacher la perruque. Voilà. Et là, du coup, je vais pouvoir bien installer le bandeau comme ça. Donc, je viens le scratcher derrière, comme d'hab. Maintenant, on a l'habitude avec les perruques bandeau. Tout simplement. Et là, hop, je la mets dans mes oreilles. Et c'est good en fait. C'est vraiment un procédé très rapide. On adore. Donc voilà, hop, j'ai envie de la démêler, mais ils disent qu'il faut la démêler avec les doigts, genre je pense pour avoir moins de pertes. Et vu comment c'est dur déjà avec les doigts, je me dis si je la démêle avec mon peigne, j'aurai plus de cheveux en fait. Enfin, elle n'aura plus de poils, donc je vais écouter leurs conseils et je démêle avec les doigts, mais t'as capté, c'est pas évident. Donc voilà, en tout cas, hop, là je l'ai installé. Je sais pas ce que ça donne parce que je vois pas ma tête en miroir. Hop, j'aime bien les petites boucles comme ça. Donc moi je pense pas que je vais les la lisser, genre je vais la garder comme ça. Ça fera du coup une perruque bouclée. Et si je veux une perruque lisse, bah j'aurai qu'à mettre Esmeralda tout simplement. Du coup, j'ai décidé de la baptiser Narcissa. Je sais pas pourquoi, je sais ce qu'elle m'inspire quand je la vois, genre je trouve que Narcissa, ça lui va très bien. Donc voilà, en fait. Tester avec différents bandeaux. J'ai pris des petits bandeaux, tous mes bandeaux ils viennent de chez AliExpress. Hein. Non, c'est faux en plus, je suis une mytho. J'ai acheté un lot de bandeaux sur Shein dans ma dernière commande. Genre ils sont trop cute, genre c'est pas un petit bandeau comme ça, fantasy, différentes couleurs. Et j'ai acheté des foulards sur AliExpress, des foulards imitation... Dior, celui-là c'est imitation Gucci, et celui-là c'est genre style Burberry. Donc je me suis dit ça c'est trop bien, surtout que maintenant que je mets que des perruques bandeaux, je n'aurai jamais trop de bandeaux. Donc trop cool, je vais tester celui-là, je trouve qu'il va bien avec ma tenue, le petit rappel rouge là. Et voilà ce que ça donne avec un bandana. Ouh, trop de cheveux. Hop, en tout cas, je sais pas, je la trouve bien. En fait, elle est bien épaisse en plus, tu vois, il y a beaucoup de densité. Et vraiment, je trouve que ça c'est grave, le genre de perruque qui peut en fait dépanner, tu vois, genre, t'as envie de changer de tête et tout, genre, t'as pas trop envie d'investir dans des perruques trop chères et tout. Je trouve que c'est le bon compromis, tu vois, c'est une petite perruque facile à mettre et tout, à porter. Le délire des boucles comme ça, genre, je sais pas, ça rajoute quelque chose et tout, je sais pas, j'aime bien. Je trouve que c'est super mignon. Mais tu vois, genre là, juste, je viens de la mettre. Hein. Juste le frottement et tout, genre, ça commence à s'en mêler. Genre, ça c'est dommage, tu vois, parce que genre, je pense que tu la gardes une journée entière. C'est chaud, tu vois, les frottements et tout. C'est peut-être juste ça le bémol. J'aime beaucoup. Je trouve que ça change.
Et pour le coup, ça peut être un bon compromis pour les personnes qui ne veulent pas forcément investir des 1000 et des 100 dans des perruques, mais qui veulent quand même tester. Genre, ça change vraiment de tête et tout. Pour le coup, ça fait le taf. Mais je ne pense pas que ce serait une perruque que tu pourrais mettre genre en mode, vas-y, genre, j'aime une semaine et tout, genre en mode une vraie coiffure que tu mets sur la durée. Parce qu'à mon avis, déjà là, je vois que ça commence déjà à s'en mêler. Et plus tu la démêles, et après moi, les mèches, elles sont belles en fait. Après, ça commence à faire des gros paquets emmêlés et tout, c'est relou. Donc, c'est juste peut-être ça le bémol. Mais en tout cas, pour en perruque d'appoint, en perruque de dépannage, en perruque de je vais changer de tête par-ci, par-là, pas sur la durée, c'est vraiment un bon compromis, je pense. Et elle est super longue, j'aime beaucoup. Et franchement, 15 euros. Dans tous les cas, genre, même si tu changes la perruque tous les mois, c'est 15 euros, tu vois. Genre, il est grave pas cher, donc pour le coup, je pensais vraiment que ça allait être un truc genre trop brillant et tout. Donc en vrai, genre, ça va, tu vois, c'est pas un truc non plus grave brillant, grave genre plastique. Je trouve quand même que c'est bien fait. Et puis, ça fait le taf, quoi, 15 euros, que demande le peuple. Donc pour le coup, j'aime beaucoup. Je vous mettrai bien sûr tout en barre d'infos, le lien, le vendeur, etc. En plus, je l'ai reçu rapidement, je l'ai reçu en 2 semaines, même pas, en moins de 2 semaines. Et puis voilà en fait tout simplement. Donc voilà encore un nouveau bon plan parce qu'on est toujours en quête du dernier bon plan, de la dernière réduction, de la dernière, tu connais, t'as capté, tu vois. Toujours save money. Donc là pour le coup je pense que c'est un très bon plan. Franchement pour les personnes comme je disais qui mettent pas des perruques tout le temps, qui veulent juste changer de temps, changer de tête de temps en temps, c'est vraiment un bon compromis. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous sera utile. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et on dit welcome home à Narcissa, la troisième de la team Ed Ben Wig. En tout cas, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. On occasionne, c'est ça pas qu'à faire, ça m'a pas qu'à faire, gars.